a commencé à travailler le terrain, à le défricher au mois de janvier. On a commencé le 2 janvier de cette année. C'était une ancienne prairie qui a été recouverte par les ronces et par les bambous. Donc c'est vraiment un travail de fond, puisque les bambous, ils ont des masses de racines à peu près de cette épaisseur-là. Ouais. Donc ça prend énormément de temps à arracher tout ça. Quoi. Ouais. On a des paniers à la semaine, c'est-à-dire qu'on a des clients qui se sont inscrits. Et chaque semaine, ils ont un jour défini où ils viennent chercher leur panier. On aimerait vraiment, parce qu'on a de la demande, en septembre, à la rentrée, ouvrir des sessions, on appellerait ça les mains dans la terre, où les gens viennent passer une matinée avec nous, 2-3 heures. On les initie à la culture de légumes, en permaculture, j'allais dire, mais parce que permaculture, c'est plus connu. Et ils repartent avec un panier. Voilà. On vous compose le panier avec ce qu'il y a de disponible en saison. Voilà. Donc en ce moment, on le verra après, mais on fait un joli bouquet d'aromates. On a des tomates, plusieurs variétés, des tomates anciennes, des tomates cerises, des tomates moyennes rondes. On a des poivrons, des aubergines, concombres. On a commencé à épandre du fumier sur le sol, l'enfouir, et on a laissé ça travailler pendant 2 mois, pendant qu'on faisait la clôture, pendant qu'on faisait le poulailler, la serre, celle-là. On a réhabilité une vieille serre, voilà. Donc en fait, le sol a travaillé pendant 2 mois sans rien du tout dessus, à se nourrir du fumier. Il n'y a que du fumier, c'est tout, il n'y a rien d'autre.